Allez, cours, cours, cours. Allez, fais-le se crocher. Fais-le se passer. Fais-le se passer. Tire, tire, tire. Tire, me tire, tire, tire. Le tire. Tire. Tiens. Mais tire! Mets donc ton corps, tout! Fais tout péter! Ah, c'est bon, c'est bon. Bah, on va être troisième, c'est pas grave, c'est vrai, c'est bon. Troisième, c'est bon, c'est bon. C'est fini, c'est bon. Je me calme, parce que là, je vais tout péter. Ah, en plus, je filme, hein, pour faire, c'est bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Voilà, les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, Lyon a chuté, c'est fini. Je pense que la quatrième place, c'est bon. Vous êtes contents, les Parisiens, vous êtes contents, les Lillois, vous êtes contents, c'est bien, moi c'est bien, moi je... Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ben voilà, il fallait bien qu'on chute, non? Ben, il fallait qu'on chute, c'est bien ça, mais qu'on chute, ben voilà, on a chuté. Maintenant, c'est fini, hein, le match est fini, voilà, et puis voilà, je suis dégoûté, ben, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lyon perd sa place de leader, évidemment. Il fallait bien une fin, comme je vous ai dit, on faisait de la résistance. Mais voilà, maintenant, on a craqué. Et bon, voilà, je vais me calmer. Bon, voilà, je suis dégoûté d'un côté, franchement, je suis hyper dégoûté. Mais bon, voilà, c'était sûr que Lyon n'allait pas finir premier longtemps, mais bon, voilà. On va dire qu'on a fait un match, on a fait n'importe quoi, en fait. Lyon a fait n'importe quoi. Défensivement, on a pris des occasions là où il fallait pas et on a nous-mêmes pas pu, Lyon n'a pas pu marquer les buts quand il fallait en première mi-temps. Donc voilà ce qui nous arrive, c'est qu'on s'est battu à la dernière minute et dans la dernière période. Mais je le regrette vraiment, ce but de Otoko Tambi, je ne sais même plus le dire, ça m'énerve, je suis énervé en réalité. Normalement, je ne fais pas cette vidéo, mais là. Voilà, je vais faire cette vidéo puisque voilà, j'avais dit que j'allais faire cette vidéo. C'est rare que je fais une vidéo quand on ne gagne pas, quand ça va pas. Mais quand même, là, ça va, on va dire. On n'est pas 8e, on est quand même 2e, 3e. C'est rien, c'est pas. On va quand même finir. On peut quand même toujours finir au podium, on va quand même dire ça. Mais finir 2e ou 3e, bon, maintenant, on y est dessus. Maintenant. Les autres, on va pas. Les équipes comme Paris et Lille, ils vont pas perdre des points tout le temps. C'est les équipes qui vont se battre. S'ils veulent que Lyon a chuté, ben, ils vont plus rien lâcher, surtout Paris. Et puis voilà, je pense que là, c'est le titre qui s'échappe. Et une place peut-être de Ligue des Champions qui a gagné peut-être. Et encore, tout n'est encore possible. Tout est encore possible puisque Lyon est quand même dans les trois premiers. Donc là, aujourd'hui, là où je vous parle, Lyon doit être troisième. Mais on va dire, Lyon est passé à travers son match. Franchement, il n'y a rien à dire. Dans cette débrief, j'ai juste à dire un truc. Lyon est passé à travers son match. Puisqu'ils n'ont pas joué en première mi-temps, ils n'étaient pas très très motivés. Alors qu'il fallait tout donner en première mi-temps. Beaucoup d'occasions manquées. On veut jouer en passe, on veut jouer tranquille, on veut jouer. C'est pas comme ça qu'on doit jouer. On doit jouer l'arrache tout le match. Il faut à fond. Si on veut quelque part, si on veut un score contre n'importe qui, il faut. N'importe quelle équipe, il faut jouer à la rage. Il faut jouer au foot, au ballon, c'est tout. Il faut pas. Là, ils ont joué à la deuxième mi-temps, on va dire. La deuxième mi-temps et encore. Avec ce but qui a été refusé de Toko Okambi, franchement, là, moi, je peux que dire que bon, le match, il était nul. Hein, nul. Hein. Je ne cache pas de te dire que c'était nul. Moi, je ne veux pas trop parler dessus parce que, bon, voilà. Ça, je suis énervé quand même. Et bon, je voulais faire aussi une dédicace à mon pote Alexis et une grosse dédicace aussi il y a des dédicaces vite fait, mais bon, je suis vraiment dans les nerfs du match là. Franchement, je suis énervé parce que là c'est des points qui sont partis, et puis là je pense que n'hésitez pas, ceux qui regardent mon live en ce moment, je suis en train d'essayer de faire un live, je sais pas comment faire des lives, des petits lives, comment je peux vous dire, des lives avec des compteurs. J'essaie de faire des lives comme ça. C'est pour ça que vous avez vu, mon live, il reste en direct comme ça. Et puis, n'hésitez pas à faire votre pub dans mon live. Et puis, voilà. Voilà, grosse dédicace à Sylvain,
les Sylvains qui regardent ma vidéo, et puis dédicace à tous ceux qui me suivent. N'oubliez pas de mettre un like à la vidéo, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Je suis dégoûté du match. Un match pourri, un match pourri qui a chuté. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Salut les amis. Et puis voilà, la défaite fait vraiment mal à avaler. Et puis voilà, en ce moment, je pense que le championnat serait totalement pour les Parisiens et pour peut-être les Lillois. Mais je pense que c'est la fin. C'est la fin du monde, Lyon. Lyon a perdu. Ah mais je rigole, mais je suis énervé là, parce que je suis énervé parce que là. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils jouent pas au foot. Là. C'est quand tu joues pas au foot, et ben quand tu joues pas la rage, et ben c'est comme ça, c'est ce qui arrive quand tu joues pas au foot. Hein, voilà. Ben voilà. Je suis dégoûté, c'est comme ça. Je sais plus quoi dire. C'est bon, j'arrête la vidéo parce que là ça m'a énervé, là, c'est pas grave.